suis Raphaël Seyguier et je vous présente le podcast Sésame Asie. La région APAC compte plus de 4 milliards d'habitants et représente près de la moitié de la croissance économique mondiale. De nombreux Français sont donc venus s'installer ici, dans la région la plus dynamique au monde. Cependant, réussir en Asie n'est pas toujours facile. C'est pourquoi j'ai décidé de voyager de Hong Kong à Singapour en passant par Tokyo et Shanghai pour rencontrer ces Français qui ont réussi en Asie, percer leurs secrets et les partager avec vous. Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Pascal. Bonjour Raphaël. Merci de nous recevoir depuis Pékin. Donc tu es mon premier invité pékinois, tu es aussi mon premier invité champion olympique. Donc Pascal Gentil, tu es double champion olympique de taekwondo, tu as gagné je crois 18 titres de champion de France. Tu as fait beaucoup d'autres choses, tu as des expériences dans la télé, dans le cinéma. Concernant la Chine, tu as travaillé chez Veolia en Chine, tu as une deuxième vie dans le monde de l'entreprise. Et maintenant, à côté même plus entrepreneur, tu es partenaire chez DNA Global Analytics à Pékin. Donc, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter brièvement et nous dire qu'est-ce que c'est DNA Global Analytics? Qu'est-ce que vous faites? Déjà, je te remercie de ton invitation. C'est un vrai plaisir pour moi de faire cette émission avec toi. Une petite correction, j'ai été deux fois médaillé de bronze en taekwondo et non pas champion. Et pardon, j'ai gagné deux fois la Coupe du Monde, même trois fois d'ailleurs. Trois fois la Coupe du Monde et trois fois les championnats d'Europe. Donc, je suis un grand champion, mais je n'ai jamais gagné les championnats du monde et je n'ai jamais gagné les Jeux Olympiques. Donc, chose qu'il faut rectifier. Il faut savoir redonner à César ce qui est à César. Néanmoins, j'ai encore le plus beau palmarès du taekwondo français puisque je suis le seul aujourd'hui à avoir ramené deux médailles pour le taekwondo français. Et ça remonte puisque c'était en 2000 et 2004. Et un mois avant les Jeux de Pékin, je me blesse à la ponévrose plantaire. Aujourd'hui, comme tu l'as très bien dit, j'ai travaillé 6 ans ici en Chine pour le groupe Veolia. Je suis rentré en France par la suite fin 2014 et j'ai travaillé pour la candidature de Paris 2024. Et dès qu'on a remporté cette candidature, je suis reparti en Chine en janvier 2018. Mon épouse qui travaille aujourd'hui pour le comité d'organisation des Jeux de 2022, des Winter Olympics. Et moi, je travaille, comme tu le sais, pour DNA Global Analytics, qui est ma société où je suis associé et co-founder et qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle et la blockchain, un certain nombre de nous. Voilà, je ne veux pas trop en dire, mais c'est ça. On est focalisé sur la data, l'analyse de données. D'accord. On est sur la blockchain, on est sur la VR. Et très simplement, pour faire très très simple, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des algorithmes de l'intelligence artificielle pour pouvoir apporter des solutions à nos clients. Et les solutions, c'est ni plus ni moins d'avoir une meilleure connaissance de leur propre clientèle, que ce soit dans l'hôtellerie, dans le monde du retail, dans le monde du sport, puisque l'expérience du fan et l'expérience du consommateur, c'est exactement la même chose. Et donc, voilà, on est capable d'aller très, très loin, jusque dans l'expression, dans l'émotion d'un client face à une publicité. Voilà, donc c'est super passionnant. Et cette agence a été créée en 2007. Et voilà, on a des bureaux à New York, je suis à Pékin, on a des équipes en Suisse, notre siège est en Suisse, et on a des équipes en Tunisie, et puis on ouvre bientôt Singapour et Dubaï. Voilà. D'accord, ok, super. Bon, on va revenir là-dessus un peu plus en détail, quoi. Mais est-ce que, pour commencer, est-ce qu'on peut reprendre un peu ton parcours et comprendre comment est-ce que… Bon, ta carrière d'athlète, forcément, c'est super intéressant. Ta reconversion et comment tu es arrivé à la Chine? Beaucoup de questions à la fois, mais on peut y aller morceau par morceau. Donc. Ouais, j'ai aucun problème. C'est une très bonne question et c'est vrai que souvent j'ai tendance à éluder un petit peu ce parcours, mais je pense qu'il faut surtout ne jamais oublier d'où on vient pour savoir où on va. Les fondations qui sont les miennes. Moi, j'ai commencé le sport à l'âge de 18 ans. 18 ans, c'est très très tard. J'ai dû travailler 2 mois dans un restaurant pour pouvoir payer ma première licence en septembre 1994. Moi, je suis issu du milieu de l'hôtellerie. Donc, j'étais déjà dans la notion de servir, au service, de mettre au service des gens. À l'école, déjà, j'étais délégué des délégués.
Ensuite, j'ai été capitaine des équipes de France. J'ai une société de sécurité à côté de ce que je fais pour DNA. Donc, je suis dans la notion de service. Et DNA, ce qu'on fait, c'est ni plus ni moins apporter un service additionnel et surtout accompagner les clients pour notamment dans cette pandémie globale, réfléchir autrement et créer des nouvelles sources de revenus grâce notamment à la data. Donc voilà, septembre 91, je débute, évidemment bercé comme tous les jeunes par les films de Jean-Claude Van Damme ou de Bruce Lee et compagnie, et sans parler de Jackie Chan. Et chez moi, c'est le culte de la non-violence. Mes parents ne m'ont jamais offert un pistolet mitraillette ou une arme. Enfin voilà, mon père est pasteur, on a été une éducation très très stricte, très très encadrée. Et vers l'âge de 18 ans, je découvre cette discipline. À l'époque, je traînais dans les MJC de la ville de Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne. Et c'était l'époque du breakdance et je passais un peu de temps. J'essayais de tourner sur la tête comme mes amis, mais j'étais, à vrai dire, j'étais très, très nul. Et j'ai un copain qui faisait du taekwondo. Il a fait un coup de pied et il a littéralement collé son pied au plafond. Et j'ai trouvé ça hyper impressionnant. Et je lui ai demandé qu'est-ce que c'est. Il m'a dit, c'est du taekwondo. Okay. Quelques semaines après, je le suivais à la salle. Je suis arrivé à la salle. Et je suis devenu très rapidement le plus assidu des entraînements. Le taekwondo ? Je t'interromps une seconde, mais on sait tous donc c'est coréen, que c'est on utilise beaucoup les pieds. Mais bon, en tant que novice, explique-nous un peu juste le taekwondo, une petite parenthèse. Le taekwondo, pour répondre à ta question, c'est une discipline qui vient de Corée du Sud. C'est une discipline, un sport de défense, qui ressemble un petit peu au karaté, sauf qu'au karaté, c'est un sport où on utilise beaucoup les poings, et notamment les poings au visage. Par contre, au karaté, on n'a pas le droit de toucher, mais on doit retenir les techniques, on doit retenir le coup. Donc, en gros, on simule une attaque au corps ou au poing avec au visage. Le taekwondo, c'est complètement différent. Les coups sont portés, c'est également un art martial qui vient de Corée, un sport de défense. Les coups sont portés. D'accord. Donc, c'est un sport de percussion, différemment du karaté et notamment du judo. Le judo qui est un sport de préemption qui attrape et qu'on sert à déstabiliser l'adversaire. Donc en taekwondo, par contre, ce qui est très bien, c'est qu'on est protégé de la tête aux pieds. On a un casque, on a un plastron qui couvre le chest, le buste, et on a des protèges tibia, avant-bras. Tout ça est couvert par un kimono qu'on appelle un dobok. Donc, on a un dobok avec toutes les protections en dessous, coquilles et autres, et un plastron par-dessus et un casque. Donc, on est vraiment très, très bien protégé. Et en fait, le taekwondo, ça ressemble à l'escrime. C'est des frappes qui sont au corps et à la tête, uniquement avec les pieds, et les coups de poing sont uniquement au buste. Donc, c'est interdit de frapper au visage. Donc, ce qui encourage les techniques de jambes. Donc, c'est une discipline qui est très, très spectaculaire, qui utilise énormément les techniques de jambes. Et je peux vous dire que du haut de mon 1m98, j'ai appris à me servir de mes jambes. Voilà. 1m98 pour dans les 100 kilos, c'est ça ? T'étais un aujourd'hui 110 kilos. Quand j'étais athlète de haut niveau, je faisais 96 kilos. Donc, peux vous dire que ça partait très vite. Il y a une photo de toi avec le président Macron qu'on peut trouver sur Internet, juste pour voir ton gabarit. Ça donne une bonne référence. Macron a l'air tout petit à côté de toi. Je t'ai interrompu, mais tu peux revenir à comment tu as découvert le taekwondo, etc. C'est passionnant, vas-y. Pour la parenthèse, quand je suis à côté, que ce soit de Macron, de Hollande ou de Sarkozy, l'effet est toujours le même. Voilà. Donc, j'ai découvert cette discipline en 91. Comme je te disais, je sors de cette MJC. Quelques semaines après, je le suis. Donc, c'est Tony Steffo qui s'appelait. Et c'est un ami. On est toujours en contact. Et il combattait dans ma catégorie en plus, catégorie reine. Et je suis devenu très rapidement le plus assidu de l'école. Je venais à tous les entraînements, même si j'avais pas d'argent, je restais assis sur le banc et je regardais, j'écoutais. Et dès que je revenais chez moi, dès que j'étais dans la rue, je faisais des mouvements, je faisais des coups de pied. Enfin voilà, j'étais hyper enthousiaste, hyper volontaire, hyper.
Et voilà, et dès que j'ai travaillé 2 mois l'été suivant à Vincennes dans un restaurant qui s'appelait Le Méditerranée, j'ai commencé en septembre 91 et quelques temps plus tard, puisque en 93, je fais les championnats de France à Nancy, je termine deuxième. La même année, je fais la Coupe de France à Saint-Raphaël, je la remporte. L'année d'après, en 94, alors que ça faisait que 3 ans que je faisais du taekwondo, je remporte le championnat d'Europe à Zagreb post-conflit. Donc, je me souviens, j'avais rencontré les casques bleus. Et je me demande même si ce n'est pas ce premier championnat d'Europe qu'un certain Zlatan Ibrahimovic a dû venir et me voir en tant que pratiquant de taekwondo. Tu aurais inspiré Zlatan. Comment, pardon ? Tu aurais inspiré Zlatan sur ces fameux coups de pied. Ah non, je ne sais pas si je l'ai inspiré, mais en tous les cas, Zlatan était un pratiquant de taekwondo. Ah, il le pratique lui-même, d'accord. Okay. Ah oui, il le pratique. Ouais, il le pratique et on le voit dans son... Ah ouais, on le retrouve dans son style au football, quoi. C'est ça l'explication. Exactement, okay. On le retrouve complètement dans son style, quand il fait des coups de pied, quand il fait des espèces d'ailes de pigeon. Des pichenettes assez magiques. Voilà, des techniques venues d'ailleurs. Et puis, je gagne la même année la Coupe du Monde aux îles Caïmans dans les Caraïbes. Donc voilà, ça a été très très rapide mon ascension. Et donc la Coupe du Monde aux îles Caïmans, c'était en 1994. Et 2 ans, la même année, le taekwondo passe discipline olympique au congrès du CIO à Paris, au CNIT à la Défense. Et 2 ans après, je quitte la région parisienne pour m'installer à Aix-en-Provence et pour passer à peu près de 7 à 8 heures d'entraînement par semaine, à 6 heures d'entraînement par jour. Je faisais 6 heures d'entraînement par jour, tous les jours, enfin 5 jours sur 7. Et je peux vous dire que quand on s'entraîne à ce niveau-là, j'ai découvert ce que c'était que le haut niveau, j'ai découvert ce que c'était que la souffrance, l'abnégation. Enfin voilà, j'ai appris. Et là, très longue carrière. Ouais. C'est le début d'une longue série de titres, quoi. Je regarde ton palmarès sur Wikipédia. Voilà, tout à fait. Il y a 20 à 30 titres, une domination écrasante au niveau du championnat de France, c'est ça, de 2000 à 2016. Oui, tu as remporté beaucoup tout de titres. Ouais. Donc, les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde, il y a le Championnat du Monde aussi. C'est quoi le Il y a que le Championnat du Monde. Il y a que le Championnat du Monde où je n'ai pas été performant. J'ai joué de malchance, j'ai envie de dire. Ouais. Et pour répondre à ta future question, la différence entre les championnats du monde et la Coupe du Monde, la Coupe du Monde, c'est un classement des meilleures nations. Donc, en gros, la Coupe du Monde, c'est le top 5 des meilleures nations. Et j'ai été toujours performant quand c'était the best of the best. Mm-hmm. Par contre, les championnats du monde, on doit faire un ou deux combats de plus. C'est beaucoup plus long. C'est ouvert à tout le monde. Le fait de rentrer moins directement dans la compétition en ayant des tours de chauffe, ça ne me convenait pas. Enfin voilà, je n'ai jamais fait d'analyse précise, mais toujours est-il que mon premier championnat du monde, je termine deuxième face à un Coréen. Mmh. C'était en 95 à Manille aux Philippines. En 97, les championnats du monde, c'était à Hong Kong. Si je dis pas de bêtises, non. Enfin bref, je me souviens plus, mais j'ai joué plusieurs fois de malchance. Je me suis blessé une fois. Je me suis fait une entorse au ligament à un genou, ce qui m'a contraint, je crois, en quart de finale d'arrêter. Des problèmes d'arbitrage aussi parfois. Oui, je veux pas trop mettre ça sur le tapis, mais effectivement, c'est vrai. C'est vrai que, enfin, notamment aux Jeux Olympiques, où ça a été flagrant, j'ai été victime plusieurs fois d'injustice aux Jeux Olympiques. Mais je pense que le monde est injuste et ce qu'il faut surtout, c'est apprendre à se relever après des échecs et avancer. Je voudrais citer, paix à son âme, mon ami Alexis Vastine, qui est un boxeur et qui a fait les Jeux Olympiques comme moi et qui plusieurs fois s'est fait voler et n'a pas eu la médaille qu'il espérait. Et malheureusement, je crois que c'était en 2014, quand je suis rentré en France, j'avais été contacté par la société Endemol
qui m'avait fait participer quelques années avant à un jeu de télé-réalité en Guyane qui s'appelait La Première Compagnie. Mmh. Et ils avaient lancé un jeu qui s'appelle Drop. On nous prenait en hélico et on nous posait en milieu de la forêt et puis on devait rejoindre la civilisation. Je travaillais beaucoup dans la sécurité à ce moment-là. Je trouvais qu'il n'y avait pas de cohérence avec mon activité. Donc, j'ai décliné et malheureusement, Alexis qui voulait se changer un petit peu les idées après ces jeux encore loupés avait accepté ce challenge et malheureusement il a disparu dans un hélicoptère, c'est ça? Tout à fait, ouais. Avec Camille Moussa et d'autres, Florence Artaud, enfin bref. D'accord, ok. Et donc, pour revenir au côté un peu asiatique, on est un podcast sur l'Asie et même sur la Chine en particulier pour toi. Oui. Donc, c'est un sport de combat asiatique. Est-ce qu'il y a une domination? Tu vois, est-ce que les Coréens sont spécialement forts? En quoi tu as un peu appris sur l'Asie avant même d'y arriver par la pratique d'un art martial asiatique? Alors, très simplement, déjà dans la langue, les commandements au taekwondo sont en coréen. Évidemment qu'il y a une prédominance des Coréens qui ont été les pionniers de cette discipline et du coup qui ont envoyé des émissaires par le monde pour pouvoir enseigner, ce qui fait qu'aujourd'hui le responsable du taekwondo en Turquie est un Coréen, le responsable du taekwondo en Espagne est un Coréen, le responsable du taekwondo en Iran est un Coréen. Pour répondre à ton sujet sur l'Asie, évidemment que j'ai fait des stages en Corée, j'ai fait des stages en Iran. C'était les deux nations fortes au taekwondo avec l'Espagne pendant post-92. Évidemment, baigné dans cette culture, ce qui fait que quand je suis arrivé en Chine le 1er mai 2009, j'avais déjà un background de l'Asie très très fort puisque j'avais été plusieurs fois en Corée, au Vietnam, au Japon notamment. Je me souviens de mon championnat du monde, ma Coupe du monde à Hong Kong où je rencontre Jackie Chan en 1997. Mm-hmm. Où quand j'atterris à l'ancien aéroport de Hong Kong, quand l'avion atterrissait de nuit, je voyais chez les voisins, c'était incroyable. C'est les gens qui ont été à Hong Kong avant 1997 et qui ont atterri de nuit, c'était juste incroyable. Et, sur l'ancien aéroport, il paraît. L'ancien aéroport qui passait à quelques mètres des habitations et il fallait avoir un permis spécial en tant que pilote pour pouvoir atterrir là-bas. D'accord. Et donc, enfin, tu commences à aborder quelque part un peu ta reconversion là. Tu as parlé de la sécurité. Je sais que tu as aussi fait un diplôme à l'ESSEC. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer? Et tu as fait des allers-retours. Tu as été revenu un peu à la compétition il n'y a pas si longtemps encore, en 2016, la dernière fois, c'est ça? Donc, comment ça s'est passé cette reconversion? Explique-nous un peu le processus. À l'âge de 43 ans. Donc, le processus est très simple. J'ai très vite compris que les études c'était le plus important, donc en parallèle de ma carrière sportive je travaillais pour gagner ma vie mais également je travaillais pour continuer à apprendre et apprendre et apprendre. Donc j'ai fait une licence TAPS à Lumini puisque j'habitais à Aix-en-Provence, j'ai passé un brevet d'éducateur sportif premier degré et deuxième degré. Le premier degré, j'avais déjà commencé à Paris, donc à la DDJS de Créteil. Et j'ai passé mon brevet d'éducateur deuxième degré au Krebs de Montpellier. Et voilà, donc toujours cette quête et cette incertitude, puisque le sport de haut niveau, il faut bien comprendre qu'on ne gagne pas d'argent. On fait ça pour la gloire des médailles en chocolat. Donc il fallait construire, il fallait réfléchir, il fallait capitaliser sur son nom, sur son image pour pouvoir subvenir à ses besoins. Donc je faisais des stages, j'étais fonctionnaire à la mairie de la ville de Marseille où mon activité c'était de contrôler l'hygiène
dans les cantines scolaires de la ville de Marseille. Mmh. Et donc, je faisais des contrôles inopinés, contrôle des températures, des frigos, vérification des plats témoins, puisque la collectivité assurait la distribution de ces repas via la société Sodexo. Et voilà, ils devaient conserver un plateau témoin. Et moi, j'arrivais avec toute une batterie de tests pour pouvoir vérifier que la chaîne de froid était respectée. Enfin bref. Donc j'ai travaillé et je travaille encore. Aujourd'hui, j'ai une société de sécurité à Saint-Barthélemy dans les Caraïbes et je développe, comme je te l'ai dit, DNA Global Analytics ici en Chine. Et donc ce qui fait que j'ai des journées très très remplies puisque quand je finis ma journée de travail à 20h, il est 8h du matin à Saint-Barth et je travaille au moins jusqu'à 4h du matin. Donc, ça, plus le sport. Tu étais encore à la gym ce matin aux aurores, tu m'as expliqué. Et le matin, je suis debout au moins à 7h parce que j'ai des enfants en moins de 5 ans et à 8h, je suis à la gym au moins jusqu'à 10h. Donc, j'ai une vie qui est bien remplie et je suis ravi puisque c'est mon choix. D'accord, très bien. Et donc, Veolia, donc tu as travaillé chez Veolia, enfin, c'est un peu dans la continuité de ce que tu viens de nous décrire. Tu travaillais chez, oui, Veolia en Chine. Comment ça s'est passé, donc, oui, le côté expatrié? Est-ce que même le sport de haut niveau, le côté à tête internationale, t'a préparé à l'expatriation? Bon, la question classique aussi, forcément, les qualités que tu avais en tant qu'athlète, comment tu les as transcrites dans le business? C'est une question bateau, mais qui est toujours passionnante. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Alors, beaucoup de questions. À la fin de ma carrière, comme je te l'ai dit, je me suis blessé juste avant les Jeux de Pékin 2008. Je suis quand même venu à Pékin en 2008 pour commenter les Jeux pour France Télévisions. J'ai rencontré une femme qui allait devenir, 7 ans plus tard, la femme de ma vie et surtout la mère de mes enfants. Et je suis venu en Chine. Pourquoi je suis venu en Chine? Parce que très simplement, en 2008, c'était la crise financière mondiale et j'ai des copains, des sportifs de haut niveau qui couraient nus dans les rues de Paris, notamment pour la recherche de sponsors. C'était très, très compliqué pour les sportifs à ce moment-là. Et moi, ayant beaucoup investi dans l'immobilier, je ne pouvais pas me permettre de perdre mes sponsors. Et du coup, j'ai compris qu'il était temps, sans doute, pour moi de chercher un autre équilibre que le sport, puisque je m'étais blessé un mois avant les Jeux de Pékin et donc du coup je me suis surtout rendu compte que la blessure pouvait stopper net ma carrière, donc il était peut-être pas question que je reparte 4 ans de plus, donc 2008 jusqu'aux Jeux de Londres de 2012. Mmh. Donc je suis parti chez mon meilleur ami Bruno Entep qui vivait à Portland dans l'Oregon et je me souviens que j'avais passé à ce moment-là les fêtes de fin d'année avec Nicolas Batum qui venait de signer à Portland pour les Blazers en NBA et j'ai beaucoup réfléchi et mon choix s'est orienté vers la Chine. J'avais rencontré un homme fabuleux qui est aujourd'hui mon mentor qui s'appelle Georges Mora et qui était le patron Asie pour Veolia. Et ce monsieur a été très, très pragmatique. Il m'a dit, écoutez, aujourd'hui, toutes les paillettes, les gens vous donnent du monsieur gentil. Les gens vous font des promesses. Écoutez-moi, le jour où toutes ces promesses ne tiendront plus, venez me voir et venez en Chine et je vais vous apprendre un vrai métier. Il venait renforcer les équipes de Veolia. Et je vais répondre maintenant à votre dernière question. Qu'est-ce qui fait qu'un ancien sportif de haut niveau qui travaille, qui a fait l'ESSEC, qui a une grande expérience et carrière dans le haut niveau, qui a été capitaine des équipes de France pendant des années et qui surtout a su apprendre le cheminement du succès? Qu'est-ce qui fait qu'un gars comme moi débarque en Chine et rejoint une équipe de polytechniciens et d'ingénieurs au sein de Veolia?
Ben, très simplement, c'est la vision d'un homme. Cet homme, c'est Georges Morat, comme je vous le disais, avec un J, qui a très vite compris que le mélange des genres, le mélange d'anciens sportifs avec une expérience singulière et ces gens qui sortent des grandes écoles pouvaient avoir un réel impact sur 10 000 collaborateurs pour le groupe Veolia en Chine. Voilà. D'accord. Donc Veolia qui fait du traitement des eaux, traitement des déchets, ce genre de choses, c'est ça en Chine? Déchets. Ouais. Alors, Veolia, à l'époque, faisait quatre activités, l'eau, les déchets, le transport et l'énergie à 50% avec Dalkia. D'accord. Et donc Georges Morat, enfin, donc j'ai lu un peu dans la presse, j'ai l'impression que tu avais une relation vraiment très forte avec lui, donc tu viens de le dire, c'est un peu ton Très, très mentor. fort. Tu Oui. continuais même à avoir une activité de sportif en parallèle, Veolia te permettait ça, et avec Georges Morat, il y a une histoire où il y a eu comme un pari de retourner à la compétition et de gagner, c'est ça? Exactement, exactement. Tu as tout à fait compris. En fait, je m'entretenais. Dès que j'avais un peu des vacances, j'allais à Beijing Sports University pour m'entraîner avec l'équipe nationale chinoise de temps en temps. Le coup de la vie a fait que, en quelques mois, on a perdu quelqu'un qui nous était très très cher et très très proche. Et on s'est regardé, on s'est dit, mais la vie ne tient qu'à un fil et la vie est parfois injuste. Et voilà, il m'a lancé le défi, il m'a dit, voilà, et puis c'est parti comme ça. C'est reparti comme ça. Et je me suis remis en selle et je me suis mis à courir et je me suis mis à m'entraîner régulièrement en dehors du travail. Et puis je suis reparti en France quelques mois. Et j'ai participé au championnat de France et je me suis préparé pour les Jeux Olympiques à 6 mois. En fait, c'était à 6 mois des Jeux de Londres. Et je loupe d'un point la qualification, mais vraiment d'un point face à un Turc qui m'a empêché de pouvoir aller aux Jeux de Londres une troisième fois. Voilà l'histoire, voilà toute l'histoire. D'accord. Et c'est-à-dire que tu arrives à revenir même au niveau physique, parce que bon, j'imagine que la technique, le mental, bah, ça tu le gardes, mais le Voilà. physique par rapport à des gens qui s'entraînent tous les jours, comme tu le disais, quoi, 6-7 heures par jour, Exactement. alors que toi, tu avais un boulot, là, enfin, comment tu fais, quoi? Ben, j'avais un boulot et puis surtout j'avais. La réponse, elle est très très simple. C'est l'hygiène de vie. Moi, je bois pas une goutte d'alcool, je bois pas une goutte de café. Effectivement, qu'aujourd'hui, j'ai pas une hygiène de vie incroyable puisque je dors pas. La vérité, c'est vrai. Je vais pas te raconter d'histoire. Mais voilà, à côté de ça, j'ai pas d'excès. Et je pense que quand on a cette force mentale, quand on a surtout appris le cheminement du succès, finalement, il suffit de remettre les mêmes ingrédients et puis ça fonctionne. Aujourd'hui, ça fonctionne, hein, même si ça fonctionne pas toujours du premier coup, mais l'abnégation, la persévérance fait que forcément ça fonctionne. Et c'est le même ingrédient que je mets aujourd'hui dans le milieu d'entreprise en tant qu'entrepreneur pour pouvoir réussir dans mes activités. T'as un exemple concret, par exemple, dans le travail, où vraiment ta mentalité de gagnant, un projet où t'as pas lâché l'affaire, et ça t'a vraiment ce mental t'est permis de remporter le morceau? J'ai pas d'exemple, enfin si j'en ai, je vais dire qu'ils m'appartiennent, mais de façon globale, ce qui est certain, c'est que quand beaucoup de gens seraient abattus aussi bien par le contexte de pandémie globale ou par des difficultés de la vie, un sportif de haut niveau qui a appris à se relever d'échecs et d'échecs et d'échecs et de blessures est forcément mieux aguerri que quelqu'un qui a tout réussi dès le début et puis dès qu'il est face à une difficulté, perd tous ses moyens. Oui, totalement. Ouais.
Sans transition, j'ai une question sur la politique, quoi. J'ai senti un intérêt Oui. pour la politique chez toi. Il y a même eu des rumeurs d'un poste de ministre des Sports. Quand ensuite, Tout à fait. on voit que tu commentes un peu la politique sur Twitter. Donc, explique-nous un peu Oui. tes velléités politiques. Est-ce que j'ai des velléités politiques Que tu peux avoir. Est-ce que j'ai des velléités politiques? Je ne sais pas quoi répondre. Toujours D'accord. est-il que je me présente pour être conseiller consulaire ici sur la région, donc être représentant des Français de l'étranger. J'ai toujours été, comme je te l'ai dit, délégué des délégués quand j'étais à l'université, enfin à l'école. Puis j'ai été capitaine de l'équipe de France. En tant qu'athlète de haut niveau, j'ai toujours donné de mon temps en allant dans les prisons pour parler aux gens qui étaient en détenus de longue durée, ou dans les écoles pour parler aux jeunes, aux enfants, ou dans les hôpitaux pour parler aux enfants malades. J'ai toujours eu ce sacerdoce pour l'autre. Je suis l'aîné d'une famille de 7 enfants. Je crois que je suis comme ça. Je m'appelle gentil et les gens qui me connaissent trouvent que mon nom matche avec ma personnalité. Ceux qui ne me connaissent D'accord. pas, ils vont dire, oh, on l'a encore vu là, il a encore fait ça, il a encore dit ci, il a encore dit ça. Je ne sais pas, je dis ce que je pense, j'ai le courage d'annoncer des choses, de dire ce que je pense et surtout de mettre le travail en face pour pouvoir réussir. Maintenant, vérité politique, on fait tous de la politique. Quand on commente et qu'on dit, oui, ils sont nuls, ce gouvernement, ils ne sont pas capables, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de masque, oh, ils sont nuls. On fait de la politique. Quand on commente, enfin voilà, on a tous à nos niveaux des velléités ou des. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme l'équipe de France, quand Didier Deschamps ne prend pas un tel, d'un coup, on est tous sélectionneurs. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, après, partant de là, je suis très, très content d'être avant tout un entrepreneur, d'être un investisseur, de donner du travail à des gens, de changer la vie de personnes. Voilà, je préfère le faire à mon humble niveau en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise que de le faire au niveau que le faire au niveau de ministre ou de député ou peu importe. Maintenant, j'ai toujours dit que j'ai servi mon pays en faisant retentir la Marseillaise à plus haut niveau, en donnant une bonne image de la France sur les tatamis, dans le sport et dans les instances internationales, comme je fais encore aujourd'hui, puisque je suis président de la commission des athlètes au niveau de la Fédération mondiale, donc je suis board member de la Fédération mondiale de taekwondo. J'ai fait des speeches face à Thomas Barre, le président du Comité international olympique. Aujourd'hui, ici, en France, enfin en Chine, pardon, je représente d'une certaine façon la France qui réussit, la France qui gagne. Et quand je suis invité par mes amis chinois et qu'ils sont surpris de voir que je ne bois pas une goutte d'alcool, voilà, et ça les interroge, et ils me posent des questions, je leur dis que je suis un ancien sportif et ils respectent. Et voilà ce que je veux dire. Donc voilà, moi je suis très très content dans ce que je fais. Effectivement, j'étais pressenti, mon nom circulait. Voilà, j'étais à Paris pendant 2 mois au moment du remaniement. J'ai dit ce que j'avais à dire. Le sport est aussi prioritaire que la culture et que d'autres activités dans d'autres pays. Et il ne faut pas reléguer le sport à ce qu'il n'est pas. Le sport a des vertus et voilà. Et je l'ai dit et je pense que le message est passé. Et je n'ai aucune animosité contre notre ministre Roxana, que je connais très très bien et qui est une amie avec qui j'ai participé aux Jeux à Sydney en 2000. D'ailleurs, on a tous les deux fait une médaille de bronze. Voilà, donc je soutiens évidemment la politique du gouvernement Emmanuel Macron. Je suis très très proche et je ne peux pas me le cacher de Nicolas Sarkozy puisque je l'ai vu juste avant le remaniement et puis on est toujours en contact et c'est quelqu'un d'extraordinaire et de brillant. Je fais partie de la liste de Fouquet. Si vous tapez sur Internet, vous verrez que mon nom est sur la liste du Fouquet et j'étais moi-même dans le bureau du président Sarkozy en petit comité quand il a remporté son premier mandat. En 2007, j'ai une anecdote puisque à 20h06, il y a George Bush qui l'appelait
Et Claude Guéant, qui était à côté avec un tout cinq téléphones à la main, me dit « c'est George Bush ». Enfin voilà, c'est des moments inoubliables. Mm-hmm. J'ai passé cette soirée avec Jean Reno et son épouse, Johnny Hallyday et son épouse, et au Phuket. Et puis très rapidement, on est parti au restaurant de Johnny qui était rue Balzac, le Balzac qui était derrière le Lido de Paris. Donc voilà ce que je peux vous dire de la politique. La fameuse soirée Phuket qui a beaucoup fait parler d'elle. Ouais. Oui. Je connais beaucoup d'hommes politiques. Il y en a beaucoup dont je suis très très proche. Maintenant, je fais de la politique à ma façon et je n'ai pas besoin de parti. Je n'ai pas besoin de. Enfin voilà, quand on a fait du sport de haut niveau et qu'on a excellé à très haut niveau, on a une confiance sur la vie et on a une confiance sur ses capacités. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent se servir de la politique comme tremplin. Moi, je n'ai pas besoin de tremplin. Je suis père de famille. J'ai une fille de 18 ans qui vient d'avoir 18 ans le week-end dernier, le 15 janvier. J'ai mon fils qui a 2 ans, qui est né à Pékin. Ma fille de 4 ans, qui est née pendant la candidature de Paris 2024 et qui parle couramment chinois et qui chante le chinois et qui… Voilà, je suis quelqu'un de comblé, je suis très très heureux dans ma vie, donc rentrer dans un gouvernement pour me faire cracher dessus, je le ferai si on me demande, mais je ne cours pas après, voilà, si vous voulez tout savoir. D'accord, c'est très clair, et, là, et d'aller, de représenter les Français de l'étranger peut être aussi un bon moyen d'avancer sur le sujet politique. Je suis un Français, je suis à l'étranger, et j'ai des choses à dire et donc, je connais la communauté, je connais les besoins des Français de l'étranger, que ce soit dans les problématiques d'école, que ce soit dans les problématiques de transport ou autres, de fiscalité. Enfin, voilà, il y a les Français de l'étranger, il faut arrêter. Nous ne sommes pas des évadés fiscaux. Moi, je paye des impôts, j'ai quelques biens immobiliers en France, je contribue. Et voilà, donc, il faut vraiment sortir du schéma qu'on est tous des expatriés payés par des grosses sociétés et c'est pas vrai, c'est fini tout ça. Les grosses sociétés aujourd'hui ils prennent des gens en contrat locaux et avec des salaires raisonnables et ce qui permet de faire ce qui leur permet de garder des gens sur la durée et c'est plus comme avant où les gens restaient 2-3 ans et puis ils repartaient et puis on en prenait d'autres, ça n'a rien à voir, c'est fini tout ça. D'accord. Et donc aujourd'hui, DNA Global Analytics, ça serait intéressant que tu nous expliques déjà comment est-ce que tu t'es lancé là-dedans. Tu es parti dans la tech quelque part, ce qui est encore un virage en oui, carrière. Oui, complètement. Oui. Donc, vas-y, je te laisse. Une rencontre. Ouais. Une rencontre avec Bilal Sherif, qui est le CEO de DNA fin des années 2000. Et le souhait de répondre à une question au final où on m'a toujours posé la question. Évidemment, la première, c'était comparé à Adriana Carambeu, ton entrejambe, il fait combien ? Moi, j'ai jamais su répondre. Mais surtout, la question qui revient toujours, c'est entre telle discipline, c'est quel le plus fort ? Quand tu frappes la jambe gauche, la jambe droite, c'est quoi la vitesse de tes coups ? Voilà. Et en gros, chez DNA, on est en capacité aujourd'hui, grâce au computer vision, de pouvoir analyser les gestes, de pouvoir mesurer grâce à des capteurs les impacts, comme on le voit aussi aujourd'hui beaucoup dans le rugby. Voilà, on utilise toute l'intelligence artificielle et les algorithmes pour pouvoir travailler sur l'athlète augmenté, sur l'athlète de demain. Voilà, enfin, c'est uniquement une petite brique de ce qu'on fait. Aujourd'hui, tous les gymnases et les stades sont fermés. Il y a une perte pour les clubs et pour les institutions. Aujourd'hui, on est en train de développer des nouveaux revenus grâce notamment à la réalité virtuelle qui permet à un téléspectateur de voir
depuis chez lui, comme s'il était au stade en rang présidentiel ou au virage du vélodrome, de voir exactement, d'avoir la même vision, et le même sonore que comme s'il était au stade. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est fabuleux et qu'on tend à démocratiser. D'accord. Il y a par exemple une vidéo qu'on voit sur votre site où c'est toi en train de faire du taekwondo et où tout ton corps est analysé, les mouvements de ton corps sont donc analysés par de la vision de computer vision, tu disais là. Et c'est quoi les applications? Donc, tu as parlé de la vitesse de l'impact, de voir tout ça, mais on peut même apprendre, par exemple, les gestes parfaits du taekwondo. On travaille aujourd'hui avec des grandes marques qui sont leaders de vente de produits sport, multisport, et au jour de demain, vous pourrez être chez vous, même en confinement, et avoir votre écran en face de vous qui corrige votre mouvement de planche ou votre mouvement de squat ou votre mouvement de ce que vous voudrez. Mais on est dans une nouvelle ère. On est dans une nouvelle ère et c'est l'ère de l'innovation et DNA Global Analytics en fait partie. D'accord. On a beaucoup d'auditeurs qui sont à Hong Kong et comme tu le sais, il y a pas mal de Français qui travaillent dans le retail à Hong Kong. Oui. J'ai vu que tu avais des projets retail, j'ai vu que tu faisais des touch screen, j'ai vu des images où il y avait de la reconnaissance des flux. Touchless. Parce que des flux dans les shopping malls, etc., le flux des gens. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais autour du retail? Concrètement, dans le milieu du retail, et je pourrais même englober celui de l'hôtellerie, on est en capacité aujourd'hui, grâce à nos plug-and-play capteurs, couplés aux caméras, d'être en capacité de calculer le taux de pénétration devant un magasin, bien sûr en restant RGPD compliance, donc en respectant le respect de la vie privée des consommateurs, mais on est en capacité aussi bien de savoir les différentes zones, les zones chaudes du magasin, les produits où le consommateur a plus d'intérêt. Enfin, c'est toute une manne d'informations très très utile pour la marque, pour l'enseigne, pour voilà, aussi bien savoir qui est le genre, le sexe, voilà, c'est un petit peu sur même l'émotion, comme je te disais tout à l'heure, c'est tout un tas d'informations qui aujourd'hui et on le démontre, hein, on installe aujourd'hui, on fait beaucoup de POC chez nos clients pour leur délivrer tout ça dans un dashboard ou un tableau de bord où tout est piloté de façon automatique et de façon complètement sécurisée. Donc voilà exactement précisément ce qu'on fait chez DNA et je ne parlerai pas de notre crypto-monnaie Figia sinon vous allez dire mais c'est une usine à gaz que vous êtes en train de construire. Ah, vous faites beaucoup de choses, c'est sûr que ça c'est la question que je me posais par contre c'est plutôt sur la Chine, quoi, forcément, parce que la Chine est quand même super avancée sur ces choses-là, c'est le milieu du retail, bien sûr, le retail en particulier. Donc qu'est-ce que vous apportez vous en tant que, enfin, l'entreprise en tant qu'étranger en Chine? Moi, aujourd'hui, je suis très, très impliqué au niveau de la French Tech de Beijing, ouais. Au niveau du board. J'essaie de contribuer, d'apporter et surtout le soutien aux entreprises françaises qui veulent venir s'implanter ici en Chine et faire de l'intermédiation, aussi bien des Chinois qui veulent s'implanter en France ou des Français qui veulent venir ici en Chine. Je travaille évidemment avec Business France et avec l'ambassade et avec la Chambre de commerce et tous ces organismes d'État. Concrètement, ce qu'on fait à DNA, j'ai un peu perdu le fil. La question, c'était aussi sur la Chine. La Chine est super avancée dans ces domaines-là. Comment est-ce que tu te différencies? Peut-être que tu apprends aussi de la Chine, et j'imagine, et que sur d'autres marchés, ça peut te servir. Voilà, tu as répondu. Ouais. Tu as répondu à c'est ce que je voulais te dire, et excuse-moi, j'ai perdu le fil. C'est que je viens en Chine
avec beaucoup d'humilité, en fait. Et au contraire, quand on dit que les Chinois copient, aujourd'hui, les Chinois, ils innovent et ils investissent massivement pour développer des solutions de demain. Et nous, je pense qu'on a beaucoup à apprendre des Chinois. Je pense que tu avais une question sur quel est l'outil que j'utilise. Tu veux ma conclusion là ou attends, ça m'inquiète. Vas-y, je t'en prie. non. Est-ce que j'avais des outils de productivité non, mais... Est-ce que WeChat, ce genre de choses, des outils en Chine, ouais. Voilà, exactement. Ouais, c'est WeChat, c'est Taobao, c'est tout ça. Et en gros, tout ça pour te dire et répondre à ta question que je suis plutôt là pour capter. Bien sûr qu'on a des solutions, on a du conseil, on a une sensibilité européenne, j'ai envie de dire, mais on regarde et on capte aussi beaucoup le savoir-faire chinois, leur méthodologie. Attends, il y a une petite coupure. C'est bon, oui, je t'entends. Vas-y, enchaîne, je t'en prie. Ouais. Je te disais, pardon, que mon positionnement, c'est de venir avec beaucoup d'humilité et d'apprendre et capter les meilleurs, les best practices chinoises. Voilà, tout simplement. Ok, très clair. Une dernière question sur le sujet. Autour du Covid, vous avez des choses qui permettent, je crois, de détecter si les gens portent un masque, détecter la distanciation sociale. Distanciation sociale, tout à fait, oui. Tu peux nous en dire un peu plus ou... Oui, chez DNA Global Analytics, on a une brique qui s'appelle Health and Safety. Et dans ce département, on est en capacité aujourd'hui d'identifier dans un stadium au rang 25D s'il y a un individu qui a une fluctuation de température anormale. Pardon. Si une personne qui a de la température, par exemple, c'est ça ? Comment ? Si une personne a une température, de la fièvre, par exemple, vous pouvez le détecter dans une foule, c'est ça, par exemple. Okay. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Si au virage nord, il y a un attroupement et surtout un mouvement de foule, voilà, on est en capacité d'identifier tout ça. Et comme je te le disais tout à l'heure, on est une start-up et on se considère encore sur une start-up, même si on a un carnet de commandes qui sont bien garnis. Et on reste flexible. Et avec cette pandémie, on a développé des solutions et des solutions un petit peu des bornes touchless, un petit peu comme les bornes qu'il y a au McDonald's, sauf que les nôtres sont sans contact. Et évidemment, avec le Covid, c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Ah ouais, non, clairement, c'est... C'est une bonne solution, quoi. Plutôt que les gants en plastique réutilisables, du touchless, c'est la bonne solution. Ok, bon, on va conclure. C'était passionnant, quoi. Une vie bien, bien remplie. J'imagine que c'est que le début de tes aventures. Mais pour conclure, tu peux nous dire, est-ce que tu as une astuce ou un hack ? Comment est-ce que tu as fait pour hacker la Chine ? Tu peux partager avec les auditeurs. Comment hacker la Chine ? Déjà, il faut connaître la Chine, il faut la comprendre. Je crois que mon livre de chevet, c'est « L'art de la guerre » de Sun Tzu. Ensuite, il faut l'aimer, la Chine. Je pense qu'aujourd'hui, le gros problème, c'est que dans les médias, il n'y a pas un jour sans qu'on dise du mal de la Chine. La Chine, détromperez-vous, que ce soit l'Iran, la Chine ou tous ces pays. Moi, j'y suis allé. On est loin de ce qu'on imagine. Très simplement, je dirais… je prendrai un exemple dans celui du retail. Il faut être en capacité d'utiliser des leaders d'opinion, des influenceurs, des gens je me souviens, je crois que c'était il y a quelques mois, il y avait notamment, je vais donner l'exemple du la Saint-Valentin. Voilà, il y a des choses extraordinaires qui se font ici. Le e-commerce, aujourd'hui, la faculté de la Chine, de ce grand pays, c'est d'être en capacité
d'embarquer toute une population dans un même axe, dans un même, dans une même direction. Il y a ce plan quinquennal, et aujourd'hui, on va dire, le gouvernement va dire, il faut qu'on investisse dans les nouvelles technologies et dans le sport, ou dans les enfants, ou dans la santé, et tout le monde va aller dans cette direction. Et c'est ce que je trouve fabuleux ici en Chine. Mmh. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... Non, mais c'est très clair. Pour moi, c'est le secret. Ok. Est-ce qu'il y a un moyen de te suivre sur Twitter, sur LinkedIn, peut-être plus sur le business, tu peux nous dire ? Oui, vous pouvez me trouver très facilement sur LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram, voilà. D'accord, donc Pascal Gentil, on cherche sur les réseaux et on le trouve. Okay. Ouais, Pascal Gentil, on trouve très facilement. Par contre, sur Facebook, vu que c'est interdit en Chine, je suis un peu moins actif, on le trouve, mais on trouve aussi beaucoup d'imposteurs et beaucoup de voilà. Si vous voulez me suivre, je vous recommande ma page LinkedIn et celle de DNA Global Analytics, où je suis assez actif. Mon compte WeChat, ça c'est pour ces gens qui sont en Chine, et surtout et pourquoi pas mon Instagram où je suis en lien. Enfin voilà. Ok, d'accord, l'embarras du choix. Super, Pascal, bon, je te remercie. Au revoir. Merci à toi, Raphaël, c'était un plaisir et merci à tous nos auditeurs. Cet épisode de Sésame Asie est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn, Raphaël Séguier, S-E-G-H-I-E-R. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut !